pavadé, la coupe 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 papadé, 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 c'est devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois. Dans la cheminée y'avait pas son père. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la dans mes bras, elle me dit, mais non, Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné
enfant. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit d'une voix très celle, bye bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Jacques, tu manies le fouet à merveille sûrement. Tu pourrais pas me montrer comment on manie les boules. Moyennant une petite enveloppe. Oui, on te donnera un tas d'enveloppes, tu sais vraiment. Mais pour tout le monde, pour les 500 millions de petits Chinois, peut-être on pourra la vendre là-bas si tu fais quelque chose. Et pour les autres. Oui, tu mets. Et alors, tu mets ça. Oui, il faut, tu peux pas monter là-dessus sans mettre ces choses-là. C'est pas très esthétique, c'est plutôt pratique, là. Là, et puis alors, on la fait partir là. Là, ah bah c'est... Oui, ça va? Bien. Alors, je crois que les boules sont par là, et puis tu me montres un petit peu, là. C'est difficile. Quel genre tu veux, façon américaine? Ah oui, oui, Acteur Studio, peut-être, avec en y pensant avant, très fort. Oui, ou bien la japonaise, enfin... Non, tu peux y arriver. Alors là, tu... Vous prenez la boule. Oui. Tu veux que je t'aide? Je la pousse derrière? Non, pas bon. Je ne retouche pas. Là. Alors, hop là, oui. Ah ben, c'est pas mal. Il faut juste que tu lances la boule, je crois, pour que ça arrive là, oui. Bon, alors tu restes, hein. Voilà. Bien. Et hop, là, oui. Bon, elle est trop petite, on va peut-être l'enlever. Tu l'enlèves, là, celui-là. Je la fais partir, là. Voilà. Et bien, elle vient pas du tout. Non, elle ne fait pas l'idiot. Non, je t'en prie. Fais-la partir. Allez, non, bon, voilà. Bon. J'ai un train à prendre, là. Allez, voilà, ça va partir. Ça part, là? Non. Attends. Tape dessus, là. Non? Non, ça va pas, là. Ah, je prends là? Non? Ah, bah oui. Bon. Alors, on va essayer, là. Alors, ça vient? Ça vient, là. Le pouce vient, non? Ah non, là. Attends, alors on va essayer une bonne fois. Alors, à trois, on y va bien. Hein? Alors, attends, là, le pied, tu te concentres un petit peu. Là. Alors, un. Ça va? T'as pas peur? Là. Deux. Et trois. Playboy de profession habillé par Cardin et chaussé par Charlie. J'y roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boue. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boue. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'Hatchet. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boue. Les filles en tombent à mes genoux.
Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège à bleu, un joujou extra qui fait crack boum. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crack boum. Crack boum, crack boum, crack boum. Hey!